Un atelier flambant neuf à Gemnos, à côté de Marseille, des bassins, des câbles gigantesques et ses bips incessants. C'est ici que Thalès prépare l'avenir de la guerre sous-marine, en construisant notamment des sonars équipés d'un anneau en céramique. Objectif, pouvoir localiser les sous-marins même les plus silencieux. Car avec l'essor des nouvelles technologies, la guerre d'aujourd'hui se pratique désormais dans tous les milieux et en même temps. Sur Terre, dans l'air, dans l'espace et le cyberespace, et bien sûr, dans et sous la mer. Alors aujourd'hui, on dénombre 42 pays qui sont équipés de sous-marins. Donc les sous-marins sont soit conventionnels, donc à propulsion électrique diesel, soit à propulsion nucléaire. Les sous-marins sont de plus en plus furtifs, silencieux, mais en plus, les sous-marins nucléaires peuvent rester plus longtemps sous l'eau, donc ils ont une dimension furtive encore plus importante que les autres. Et en plus de ça, se rajoute la menace des drones sous-marins. Pour mieux surveiller tout ce petit monde, Thalès développe des sonars baptisés CAPTAS. Équipés d'anneaux en céramique, ils peuvent émettre des ondes acoustiques et en analyser les échos pour localiser les sous-marins ennemis. En mode passif, ils peuvent aussi les écouter silencieusement, sans risque d'être repérés. En fonction de la température et de la salinité de l'eau, les CAPTAS peuvent détecter un sous-marin jusqu'à 150 km de distance, permettant par exemple de sécuriser un groupe aéronaval en créant autour de lui une sorte de bulle de sécurité. Fierté du groupe, les CAPTAS ont été vendus à la marine américaine.